かな。はい、いいですか。はい、お願いします。もう、小松先生なんか、いいですか。はい。浜付きをするところを取らせていただく。それから次にしゃべる。別な格好で。そしたらちょっとすみません。まだ。分かりました。どうぞ。C'est la 16e fois que... Ah, mon Dieu. Non. はい、5秒前です。4、3。C'est mon 16e voyage à Tokyo. J'en ai fait 15 avant, toujours avec beaucoup de collaborateurs, de 10 à 20 collaborateurs, pour la préparation de ce congrès international. Il y a eu d'autres congrès en Europe, en Amérique, que j'ai organisé dans 11 ans. Et maintenant, c'est le premier congrès qui est organisé par ma fondation. C'est le congrès qui est fait à l'enseigne de l'internationalisme inventif, culturel, artistique, scientifique, commercial, économique. Tokyo est non seulement une capitale économique, elle est aussi, d'ores et déjà, et à partir de ce congrès, une capitale culturelle. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une confrontation culturelle et scientifique, il s'agit là d'un événement artistique, culturel, il s'agit d'un acte à partir duquel un échange à double sens entre l'Europe, l'Amérique et le Japon peut commencer. Cette deuxième renaissance, dont Tokyo est la métaphore, commence à partir du Pacifique. Dans la première Renaissance, il y avait eu Colomb qui avait inventé l'Amérique et cette invention était parallèle à d'autres inventions de la même époque, la mode, la publicité, l'impression, le statut presque actuel des banques, le journalisme, la littérature. À cette époque, avec Colomb, il y avait eu un premier internationalisme. Il y avait eu donc l'Atlantique, qui avait permis donc de réinventer à l'époque la Méditerranée et l'Europe. Et Colomb proposait d'arriver sous l'indication de Marco Polo au Japon en allant de l'Est vers l'Ouest. C'était
c'est la seule manière pour ne pas être orientaliste. Et évidemment, pour le Japon, la manière d'arriver en Europe est d'aller justement encore de l'ouest vers l'est. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'avec cette troisième instance, avec ce troisième pôle, avec ce troisième océan qui est le Pacifique, peut commencer un autre internationalisme. Évidemment, ce Pacifique a 3 milliards d'habitants et le Japon est la pointe de cet océan. Le Japon, d'ailleurs, peut s'occuper différemment de l'Europe et s'intéresser à l'Europe, étant donné que c'est toujours l'Europe qui est non seulement un marché intéressant, mais une source infinie d'idées. Le Japon est arrivé à inventer dans des différents domaines, justement à partir d'une confrontation internationale, et non seulement avec les États-Unis, aussi aujourd'hui avec l'Europe. Entre l'Italie et le Japon, il y a non seulement cette conjonction entre la première et la deuxième Renaissance, mais l'Italie et le Japon sont peut-être les pays qui sont aujourd'hui les plus éloignés de la religion de la mort, du terrorisme, de la religion, de la communauté comme telle. Ce sont les deux pays où l'art, le design, la mode, l'informatique, le projet scientifique international, la préparation donc de ce troisième millénaire a commencé. Et c'est une transformation aujourd'hui en acte qui concerne la vie civile entière, qui concerne les enfants, qui concerne l'éducation, qui concerne les femmes et le statut des femmes et la fonction des femmes aujourd'hui. Dans la première Renaissance, il y avait eu une irruption des femmes sur la scène culturelle, artistique, commerciale, sociale. Aujourd'hui, c'est le véritable statut des femmes. Okay. Ça va. Ah. Je suis en train de faire une interview à la télévision. On se voit en bas. D'accord. 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 Je me recommande. D'accord. OK. OK. Il y a dans ce congrès 273 personnes qui viennent en dehors du Japon. Il y a la participation de personnalités éminentes dans les différents domaines du Japon. Seulement cela, c'est un événement, mais il y a aussi un rythme. Il y a un déroulement du congrès qui relève d'une œuvre d'art et d'invention. Il n'y a plus aujourd'hui le mélodrame, c'est ça, l'opéra de la deuxième Renaissance. À partir de ce congrès, il y a un institut à Milan pour les échanges entre l'Europe et le Japon, et à partir de ce congrès, je compte d'avoir aussi à Tokyo une base japonaise avec un statut japonais pour ma fondation, pour la Fondation de Culture Internationale, qui donc pourra avoir sous lien avec la fondation à New York, à Berlin, à Paris, à Genève, évidemment à Milan, et c'est avec à Milan, justement, dans la Villa Borromeenne et dans la place du Dôme, que beaucoup d'amis, d'intellectuels, de scientifiques, d'étudiants, d'artistes, d'écrivains du Japon pourront venir pour tenir des cours, pour suivre une formation et pour 6 mois, une année ou des années. Dans ce temps est paru, justement, pour ce congrès, mon premier livre en japonais, qui est le manifeste
de la deuxième Renaissance. Je trouve que ce livre a été fait de manière artistique et que c'est plutôt inaugural, donc aussi de, d'une collaboration, pour une collaboration avec le Japon. Ok. Mi ha imbarazzato lei? Mi ha imbarazzato. Quando? Durante l'intervista? No. Eh sì, non doveva stare quella. Ok. Anche della Fondazione di Milano, di Piazza Dona, sarebbe.
solo puedo ofrecer a este generoso Congreso mi esperanza. Hay tantos males actuales, ante todo el internacionalismo. Bueno, ese existe en todas partes, aún en mi país, que tiene una historia tan breve, hay también el nacionalismo. Ese es un mal. ¿Por qué acentuar nuestras diferencias? Vamos a acentuar nuestras afinidades. Hay otro mal, que es la despareja distribución de los bienes espirituales y materiales. Es decir, la educación es necesaria. La educación y luego el hecho de llegar lo más pronto posible a una ciudadanía planetaria, porque mientras haya países, mientras haya fronteras, habrá discordias, habrá guerras, habrá rivalidades. De modo que creo que una máxima esperanza sería el olvido de la geografía política, una de las ciencias más peligrosas que pude haber, la corrección de ese mal que he señalado, la despareja distribución de la riqueza y de la pobreza. Y luego también conviene que, como todos los que están aquí, creamos en la posibilidad de crear el porvenir, de modificar el porvenir, siquiera. Eso quizás sea una ilusión, como es una ilusión necesaria, el libre albedrío. Pero para seguir viviendo, tenemos que creer en el libre albedrío y tenemos que hacer planes para un futuro ciertamente incierto y del cual lo único que sabemos es que no tiene por qué parecerse a nuestros sueños. Obremos mientras tanto como si fuéramos inmortales. Obremos para el porvenir. Yo puedo morirme en cualquier momento, pero vivo pensando, haciendo una ilusión de que soy inmortal. Quizá no puede vivirse de otra manera. Conviene vivir en el futuro, conviene vivir generosamente, proyectando nuestros sueños hacia el futuro, hacia un futuro mejor que este para nosotros tan triste presente. Merci alors Monsieur Borges pour son intervention et pour sa contribution pour ce congrès. J'invite les rapporteurs qui vont suivre à une intervention brève. Très brève. Et ça suffit de regarder le programme pour comprendre la raison de la brévité. Alors j'invite Monsieur René Siffert à intervenir maintenant. Son exposé concerne. Il avait rappelé également certains faits. Le Japon est une île, est un pays insulaire, cela tout le monde le sait. Il ne l'est plus tout à fait aujourd'hui, la preuve c'est que nous sommes là. Mais le fait que le Japon était coupé du continent la plupart du temps a fait qu'il a, sur certains points, évolué moins vite que l'Europe. Monsieur Oumessa a cité par exemple le fait de ne pas avoir connu la vis, je pourrais ajouter la route hantée, avait retardé le développement technique du Japon à un moment donné par rapport à l'Europe. Mais quelquefois aussi, sans s'en apercevoir, bien sûr, le Japon s'est trouvé en avance. M. Umesa a toujours cité le cas de la poterie Jomon. Je citerai un autre cas qui est celui du premier roman d'analyse et j'allais presque dire de psychanalyse de l'histoire mondiale. Je veux dire le Genji Monogatari, ce titre que j'ai traduit par le dit du Genji.
C'est un roman écrit au XIe siècle, au début du XIe siècle, entre 1005 et 1014 exactement, par une femme, une jeune femme de la cour du Japon, puisqu'elle est morte à moins de 40 ans, d'après ce que nous savons maintenant. Et elle a laissé un roman de près de 2000 pages. Les Japonais, contrairement à ce que pense M. Nada Inada, sont quelquefois éloquents et même quelquefois bavards. Mais quand, pour revenir à ce roman, quand il a été traduit pour la première fois et tronqué du reste par Arthur Welley en anglais, immédiatement on a dit que Genji, c'est-à-dire le héros de ce roman, est le Don Juan japonais. En fait, c'est... And third generation. The first one are simple manipulators. The second, absence organs, and the third will be intelligent. For the moment, man is only duplicating behavioral form that we can parallel to those of the insect. But the great challenge remains artificial intelligence. The creation of man, of Adam, is twice narrated in the Bible. The time came when the Lord God formed the man's body from the dust of the ground and breathed into it the breath of life, and man became a living person, Genesis. Adam is a lump of clay which comes to life when the God breathed into his nostril. Before now he was a golem, that is, an embryo, something without shape. Among the myths which expresses man's ethereal desire to create his substitute, the man of clay is one of the oldest. We like to think of Heladin and the sorcerer's apprentice as forerunners of the automaton. It comes from the Eastern Hebrew culture, and we find it in the writings of medieval Kabbalists who talk about the magic word capable of animating the golem. Then, in the 1500s in Prague, in a legend according to which, with the help of an ancient formula, Rabbi Judah Low builds the golem. Et par une équipe d'artisans, et notamment par Giovanni Sacchi, sous la direction du professeur Augusto Marinoni, qui est le léonardiste par excellence et qui demain soir va tenir sa conférence. C'est lui qui a transcrit et publié une série de manuscrits, notamment le Code Atlantique de Léonard, et vous trouvez cette exposition, même des livres, quelque part de l'autre côté. Donc ici, vous voyez les dessins. Les dessins de Léonard. Vous voyez les dessins de Léonard. Et là, et donc c'est ces images qui sont celles-ci et celles-là, non, dans ce dessin. Et les autres sont deux acteurs qui se trouvent dans les tableaux de Léonard. Ici, c'est à partir d'un autre tableau de Léonard. Qui est Ludovico il Moro, la famiglia di Ludovico il Moro. Donc il y a Ludovico il Moro, Beatrice d'Este, Massimiliano e Francesco. Mais aussi d'autres choses qui ne sont pas dans ce tableau, qu'on a rassemblé, qui sont dans d'autres tableaux. Et toujours à gauche, donc là il y a les instruments de musique de Léonard, et vous pouvez donc les voir. Mais pour tout ça, il y aura une conférence d'Augusto Marinoni demain soir avec une performance autour de Léonard de Vinci, qui est donc pour ce congrès comme qui est l'emblème de la première Renaissance. De l'autre côté, vous voyez au contraire les masques de la comédie de l'art. La commedia dell'arte, on l'a envoyé par Amedeo Sartori, no? E il y a des instructions, il y a aussi des pliants, je suppose,
qui illustre ça. Alors, à une heure et demie, à une heure et demie, une heure trente, non? Ça ne se dit pas? Une heure trente, à une heure trente, c'est clair? À 13h30, on reprend les travaux en commençant par la Scala. La compagnie La Scala de Milan et par l'exposé de Endo, l'écrivain, et aussi par une performance de Sawai Katsue. Alors, la Scala, le programme de La Scala, vous le voyez parce qu'il est donné, distribué, et il s'agit de différentes pièces autour du thème de l'amour, de la première Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui c'est La Scala, demain La Fenice. La Scala est déjà venue au Japon, La Fenice c'est la première fois qu'elle vient au Japon. Alors, je vous répète, à 1h30, 13h30. Merci, au revoir.
Dalla première Renaissance. Est-ce que pour la traduction ça va? Dans la première Renaissance, avec Léonard de Vinci, il y a intersection pour la première fois en Occident entre l'art libéral et l'art mécanique. C'est la condition pour le discours scientifique et pour l'industrie, voire pour l'industrie de la parole. Dans ce siècle, après des décennies où l'intellectuel, engagé ou organique, visait à expliquer tout, à ramener tout à la vision des choses, en disant qu'il devait répondre à un supposé besoin, après donc que ce type d'intellectuel, qui est l'intellectuel romantique par excellence, a disparu, ce qui s'instaure aujourd'hui, c'est d'abord l'intellectuel comme style dans la parole, un style qui n'appartient donc à aucune catégorie sociale ou professionnelle. Le psychanalyste est un style, est un artiste, est un chiffre aussi du langage. Aucune garantie qu'il ne soit
dans l'objet des choses, à savoir dans l'objet qui est dans la parole. Aucune histoire qui nous passe par la catacrèse. D'une part, l'industriel, qui est la voix, qui est le point vide. D'une autre part, l'entrepreneur, qui est le temps, qui est la division même des choses. Voilà donc pour ce congrès. Les mots. À chacun sa logique. À chacun son industrie. À chacun sa mode. Mon hobby, c'est la psychanalyse, dont j'essaie chaque jour de vérifier le statut d'existence dans une expérience originaire. Mon sport, c'est la clinique, non pas une clinique psychopathologique, non pas une clinique du sujet prétendu malade, non pas une clinique qui essaie de ramener des personnes en défaut à une insertion sociale, mais une clinique du semblant, une clinique de cet objet mobile en fuite qui est dans la parole. Mon tourisme, ce sont les congrès. Je me fonde non pas sur une théorie, mais sur l'expérience. Et ce congrès est un acte qui n'est pas désavouable, un acte à partir duquel un échange à double sens pourra se faire entre le Japon, l'Europe et l'Amérique. Un acte gratuit et arbitraire. Un acte où l'essence de l'absolu et l'essence du temps s'instaurent pour un événement scientifique et artistique. Ce congrès, c'est le congrès de la première Renaissance. Par son déroulement même, par son fonctionnement même, par son rythme, par sa logique, par l'itinéraire intellectuel, où il se trace. Ce congrès est une œuvre d'art et d'invention. Ce qu'il y a eu de la comédie de l'art, relevé de la première Renaissance, là, il s'agit de bien d'autres choses. Il s'agit d'un projet en acte. Il s'agit d'un calcul, justement, pour qu'il y a de l'incalculable, pour qu'il y a de l'imprévisible, de l'incodifiable, de l'insignifiable dans l'avènement de la parole, au-delà de tout localisme, au-delà de toute superstition. Ce congrès donc se passe et procède entre la poésie et l'arithmétique, entre la musique et la mathématique. Dans ma conférence de demain, je ne parlerai pas, pour ainsi dire, en français. Les langues de ce congrès, le japonais, l'anglais et le français, mais surtout, cette langue de Dante que je tire vers l'Étrusque, vers une langue immémoriale, vers la langue où chacun entend, vers cette langue que chacun de vous parle et qui est la langue de ce congrès, à savoir la langue de l'inconscient, base de l'écriture de chaque événement de ce congrès. D'une part, donc, le mythe de Babel,
qui énonce le mythe de la langue, d'une difficulté indépassable, ce qui empêche toute totalisation de la parole. D'autre part, le mythe de la Pentecôte, à savoir ce qui énonce l'invention de la musique en tant qu'art de la lumière, art de l'écoute et invention de la photographie, c'est-à-dire de ce qui s'écrit en écoutant. Le mythe de Babel évoque la difficulté de la langue. Il dit qu'il n'y a pas d'une langue. Le mythe de la Pentecôte évoque la simplicité même des choses, qui vient de l'arithmétique de leur division. Il n'y a pas de vision des choses. Il n'y a pas de vision du monde. Il n'y a que de la division des choses. Il n'y a que la logique de cette division. Et les choses, en tant qu'elles se divisent, elles supplient. Et entre cette division et suppli, il y a de l'écoute, tout à fait essentielle pour le concept même de public qui est choral déjà après la première Renaissance. Avant la première Renaissance, il n'y avait pas de public. Il n'y avait que le cœur. Il n'y avait pas cette condition d'écoute qui est dans la Pentecôte. Il n'y avait pas donc cette lumière, ce signifiant de l'audible dont parle Dante très longuement dans son œuvre. Sexualité donc, ce n'est là justement que logique d'une division des choses. Logique du temps, logique de l'automate. Et encore, c'est la question, d'où vient l'Orient et où va l'Occident? Et non pas la question romantique, d'où vient l'Occident et où va l'Orient? Donc, d'où vient l'invention? Et où va le jeu? Quelles sont les racines de l'invention et du jeu? Quelles sont les racines de la culture et de l'art? La culture chaque fois spécifique, et chaque fois internationale, et non pas universelle. Il n'y a pas de culture comparée, il n'y a pas les cultures, il y a de la culture, à savoir spécifique, chaque fois, là où il s'agit d'invention, là où il s'agit de formation, là où il s'agit justement de machines. Machine, c'est-à-dire encore invention. D'où vient la machine et où va la technique? Alors, comment marcher dans le ciel? Comment parcourir le ciel? Ce sont les mêmes questions, c'est la même question encore de la sexualité. Mais d'abord, il faut de la peste. Elle est la condition d'entremblement dans la parole, c'est-à-dire encore de la logique de la division des choses dans la parole. Il faut cette pierre, ce scandale de vérité et de rire qui commence à Rome. Il faut la pierre de Rome. S'il n'y a pas cette pierre, on continue à construire et à démolir l'objet. C'est ce qui témoigne une certaine architecture avant cette première Renaissance. S'il n'y a pas cette pierre, on croit encore qu'il faut créer le monde et le démolir et le détruire. Il y a donc un monde télévisé, un monde en vision, toujours, qui pourrait donc nous dépasser de la difficulté de la langue et de la simplicité des choses, qui pourrait nous dépasser, qui pourrait donc nous dispenser de l'objet et du temps. La deuxième Renaissance, c'est la logique et la structure même de la parole. Non pas un lieu, non pas un fondement. La nature est mythique.
et de renaissance. L'inconscient, c'est la logique de la parole. Et l'industrie en est la structure, non pas formelle, non pas sémantique, mais matérielle, originaire. Structure sans hégémonie, mais justement, avec un temps d'invention et d'art. La deuxième renaissance se moue et procède entre la peste et le tremblement de terre, entre la question juive et la question japonaise, entre la question de l'inconscient, de cette logique particulière à chacun, et la question japonaise, c'est-à-dire la question de la deuxième renaissance. La question de l'internationalisme inventif, artistique, scientifique aujourd'hui. Donc, si cette renaissance était simplement nouvelle, elle serait tout à fait ordinaire, revivaliste, passéiste, historiste et moraliste. Si cette renaissance était simplement seconde et non pas deuxième, elle serait ordinale, elle suirait au premier, elle suirait à l'œil, et se fonderait sur le même principe qui fournit la possibilité du premier, la possibilité de la première renaissance, principe de l'ordinalité des choses, principe de l'ordre social et hiérarchique, principe de l'ineffable. Il y a une autre orientation aujourd'hui. Après donc que les avant-gardes se sont terminées, après que les scolastiques se sont terminées, après que le critère idéologique s'est effondré, ce qui reste aujourd'hui, c'est le critère de l'invention scientifique, industrielle, artistique, psychanalytique. Une autre orientation donc, une autre formation, une autre machine, une autre culture, ainsi qu'un autre art. Aucun lieu de l'invention et de l'art. Aucune hégémonie étatique, idéologique, de parti sur la science, mais un temps, une division, un automate, un autre temps, un temps justement en tant que skise, en tant que scissure des choses. L'image que le Japon aujourd'hui a dans la planète est tout à fait éloigné de sa réalité. C'est une image presque exclusivement économique, tandis qu'il s'agit là, au Japon, d'une réalité aussi culturelle. Il s'agit encore une fois de considérer que c'est l'invention, toujours, qui fait l'économie, que c'est la culture, justement, qui préside même au commerce international. Alors, et pourtant, le Japon et les Japonais sont aperçus que l'Europe elle-même n'est plus seulement un marché, et elle est aussi une minière d'idées. Le Japon est arrivé aujourd'hui, dans des secteurs différents, à inventer, à partir d'une confrontation internationale, à partir d'un internationalisme planétaire dont il s'agit donc dans les différents domaines. Mon ami Nada Inada qui est ici à la table, et j'ai beaucoup d'amis évidemment dans la salle qui par hasard ne sont pas là, disait, écrit dans son texte pour ce congrès, que rares sont les pays qui, comme le Japon, exportent tellement de produits manufacturés et si peu de culture. Mais voilà, pour plus
pour presque 40 ans. Deux cauchemars étaient avancés.